all the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. I could not look, nor could I look away. Oh, c'est triste. On est de retour. J'ai rajouté des mods. On va dire que Loge a changé de sexe. Faites pas comme si c'était pas... Maintenant, de nos jours, ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Donc, voilà. On a un nouveau skin pour le flagellant. Donc, voilà. C'était pour les différencier, en fait, surtout. C'est surtout pour ça. Et après, je crois que j'ai un autre skin. Ah oui, pour l'arbalétrier. L'arbalétrière, plutôt. Donc, on a ça. Donc, c'est plutôt sympa. Ouais, ça change pas énormément non plus. Et après, j'en ai un autre, mais je crois que c'est pour une classe que j'ai pas encore. Genre mousquetaire ou un truc comme ça, peut-être, je crois. Enfin, voilà. Donc, on voulait faire quoi? Ah, j'ai vu des vidéos sur Darkest Dungeon, super cool. Si vous connaissez Dark Souls, bon, j'ai quand même la moitié de mon roster maintenant qui est lié à Dark Souls. Il y avait des vidéos mimes dessus, comme le Giant Dad par exemple. Et il y en avait un, c'était The Wall, avec la musique de je sais plus qui, et avec le titre je sais plus quoi. Peut-être que c'est The Wall, le mur, le titre. Mais il y avait ça en fait sur une vidéo sur Dark Souls 1 avec ça. C'était aussi par Only Afro, je crois, celui qui a fait Giant Dad. Et là, il y a pareil avec Darkest Dungeon. Il y avait une personne qui utilise donc un homme d'armes, maître. Quoi ? Maître. Oui, un homme d'armes. Après un croisé. Et après un lépreux. Avec un soin, avec un vestal. Et c'est super drôle à regarder. Donc, vous avez juste à taper sur YouTube ça. Genre Darkest Dungeon, The Wall, et ça marche. C'est assez marrant. Et il y a pareil avec The Pain Train, le train de la souffrance ou de la douleur, comme vous voulez. Il y avait pareil sur Dark Souls et il y a pareil sur Darkest Dungeon, c'est assez drôle. On avait dit qu'on voulait ça? Non. Qu'est-ce qu'on a là comme équipe? On a 3-3-3. 3-3-3. On a 3-3-3. Alors, dégâts contre les bêtes. Ah oui, je crois que c'était ça qu'on voulait, non? Compétence de mêlée crit et saignement 40%. Ah, c'est pas mal. Arbalétrier, précision et critique. L'arbalétrier, il a... Enfin, l'arbalétrière. Je vais tout le temps dire que c'est au masculin par défaut. C'est comme ça. Mon cerveau fonctionne comme ça. Est-ce qu'elle a de l'esquive de base? Mais elle a pas trop d'esquive comparée aux autres, on est d'accord? Donc ouais, ça pourrait être intéressant. Plus de précision et plus de critique. C'est pas mal d'aller récupérer ça, peut-être. Ça, on en a déjà un, en fait. C'est pour ça. On peut pas en mettre deux. Donc, hein. Ouais, je veux bien aller récupérer ça. Alors, tout le monde est bien équipé? Yes. Donc toi t'es équipé, alors, soit normal, toi comme d'hab. Je suis en train de me demander si ça on peut pas le changer avec autre chose, mais je crois pas. On pourrait mettre un soin, mais ça va pas être très très utile. Toi t'es bon. Toi t'as la purge. On va te mettre en première ligne, de toute façon tu seras marqué par elle. T'as pas besoin de te marquer toi-même. Ouais, on est bien. ...57 PV max, hein, quand même. C'est très très bon. Hein. Le lépreux devient vachement intéressant, je crois, plus vous le montez de niveau, en fait. Enfin, il devient vachement intelligent, en fait, quand il commence à être un peu haut. Honnêtement, je vais prendre 16 torches. Ah, c'est... Attendez, là on va dans le wild. Le wild, c'est pas la zone où il y a des trucs à purifier, là, qui peuvent nous enlever les mauvaises choses.
J'ai dit que j'allais me faire une fiche, hein, pour quoi prendre et tout. Parce que je sais qu'il y a des zones qui différencient un peu par rapport à ce qu'on peut trouver. Une seconde. Wild. Donc on a les carcasses d'animaux. Donc il nous faudrait ça, l'herbe médicinale. On a des bandages. Alors ça. Bandage, ça marche aussi sur les momies, ça marche sur les arbres. Après clé. Là on a quoi? On a de l'antivénom sur les. Ouais, mais en fait tout quoi. Ah oui, les holy water, parce que ça. Holy water, c'est quoi? Ça enlève le stress. Et on a. Ah oui, on a des totems avec des perks, des attributs positifs. Ça peut être pas mal ça. Ouais, au final, 4 de chaque, c'est très bien en fait. Ouais. Là, on a tout. J'ai ça. Les clés 3. Les pelles. C'est pas mal. Après, il y a de la manipulation de torches qui peut être un peu plus utile pour faire de l'argent, comme j'ai dit. Genre, on éteint la torche, on la rallume. Mais encore une fois, je sais qu'il y en a qui disent, ouais, mais faut faire ça, faut pas hésiter et tout. Ouais, je suis pas extrêmement à l'aise en fait de me retrouver dans le Corruption has noir. soaked the soil, sapping all good life from these Donc, groves. Let us burn out this evil. La plupart du temps, je fais quand même attention de pas. Putain, mais c'est sur elle en plus, fais chier. Mon Dieu, catastrophique. Catastrophique, le début. Exposed to a killing blow. Alors là, c'est violent, là. Alors là, c'est assez violent. Voilà, les deux sont mortes. Donc heureux qu'elle a de la défense et tout, hein. Parce qu'elle a protection 10. C'est incroyable. Il faudrait qu'on lui mette un régène. Ok, très bien. Faut que je fasse attention parce que je peux pas lui enlever en fait ça. Mais attends, mais les tours ils sont trop bizarres là. J'ai l'impression de jouer plusieurs fois dans le même tour. Très bien. Ici. Ouais, ici il faudrait avoir un truc de la peste là. Deux. Ouais, mais non, mais c'est potentiellement de l'argent donc tu vas souffrir. Désolé, mais tu vas souffrir. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. On doit faire des pièces de combat. Je sais toujours pas si ça c'est considéré comme une pièce de combat. Pièce de combat. Non, pièce vers cette. Pièce avec combat et trésor. Ah bah oui, bah du coup, oui. Est-ce qu'on ouvre ça maintenant ou pas? Ou quand on fait demi-tour? Ah tiens, on peut attendre de faire demi-tour. Ça aussi, il faut ça. Yeah, on va prendre ça pour quand on fait demi-tour. Ou un géant.
Mais qu'est-ce que vous avez à jamais être... C'est quoi ça? Mégère tenace, qu'est-ce que c'est que ça? Marqué. Ah oui, attendez, je vais marquer qui moi? ...35 de protection. The flesh is knit. Ok. Tu sers à quelque chose le géant infecté ou pas? Et elle a combien d'esquives? Elle a 29 d'esquives. Oh, c'est chaud. Great is the weapon that cuts on its own. Tiens, on remet de la lumière. Critique 21, ça va. Parce que je sais que lui il tape très fort. Hein. Je sais que lui c'est très très fort. Mais au final ça va. Nickel. Honnêtement, elle me fait plus chier elle que lui. Ah, ça m'aurait étonné aussi. Merde, c'est vrai que... Il faut tuer lui, après on avance sur l'autre, là. Comme ça, on le tuera vite. Ah, putain, me faites pas ça. Faut se bouger le cul, là, parce que... Elle a un problème. Pourquoi elle a un problème du stress? C'est parce que les... Je me rappelle plus. Ouais, c'est stress 10%, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, hein, non, pourtant. Attends, 5 à 9. On peut peut-être le tuer... Maintenant que tu fais un critique. Aïe 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 aïe. Non mais il faut la tuer sans déconner les mecs. Merde. Bon, ça va. Advantage. Give them no quarter. Eh ben.
On lutte un peu. Hein. Ça c'est... Ok, bandage. Ouais, il faut pas toucher toutes les... Merde, mais quel con. J'ai pas fait attention, putain. Quel débile. Je parle, je suis trop excité là, je vais aller trop vite. Ah, voilà. Alors, on va faire des dégâts directs. Merde. Quoique, attends. Ok, et maintenant tu me tues les deux qui sont en face de toi, s'il te plaît. Genre tu me les one shot. Ou pas. Mais après il peut peut-être pas muter en fait. Je sais pas comment il merge en fait, je sais pas comment ça marche. Ils ont vitesse 2. Ouais, mais on va peut-être pas trop... pas trop jouer avec le feu. Ah, on a rien eu du tout, quoi. Super. Je sais que les écritures, on peut les mettre en haut. Je me demande si on devrait pas les mettre en haut. Ça m'a... Enfin, honnêtement, on pourrait limite les désactiver. Mais... Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on campe maintenant? Il reste quand même beaucoup de choses à faire. Mais de toute façon, on va pas revenir ici. Ça serait débile. Ouais, ça serait débile. Ouais, maintenant ça me gêne pour ça. Ouais. Ah, quoique ça me gêne pas vraiment en fait. Alors, on avait dégâts sur lui et stress 20 et 15. Alors ça, on m'a dit que... Du coup, en fait, c'est pas une chance d'avoir l'un ou l'autre, c'est une chance d'avoir... L'un et une chance d'avoir l'autre en fait. Donc on peut avoir les deux à la limite. Bon, on peut ne rien avoir aussi. Mais c'est que 3, c'est pas mal. Après on a l'embuscade. Tous les compagnons si pieux. Ah oui, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. Produit une provision aléatoire. On va faire ça. 17. Lui, il a rien eu. Bah, non, lui, ça va. Ah, lui, il peut se soigner. Ouais, ça, il faut que je l'utilise. La quarantaine, en fait, faut que je commence à l'utiliser plus souvent. Parce qu'en fait, c'est vachement bien. C'est que 3. Après, lui, en combat, il peut se soigner. Et ça peut augmenter beaucoup, en fait. Alors, précision et critique... J'ai pas vraiment envie de mettre l'embuscade parce que ça va pas nous servir. Enfin, si on se fait attaquer, bon ben on se fait attaquer et puis on combattra. Hein. On a 6. On peut faire 3 et 3. Voilà. Ah tiens, attendez, on n'a pas le bon... Flagellant ? Ah, c'est pas la femme. As the light gains purchase, la femme. Spirits are lifted, and purpose is made clear. Alors là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'éteignerait pas la flamme
Et après, on la rallume pour le reste. Moi, je veux bien. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Oh la vache. Alors on m'a dit de juste faire attention s'il n'y a pas un combat qui apparaît en fait. Mais en théorie on peut rester dans le noir. Treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Il faut de l'argent, quoi que ça, tu vas me virer ça. Ok, on est bon. On a des pelles. Ouais, les joyaux et tout ça, je pense qu'on en a pas besoin. Enfin, on va trouver mieux. Ah ! Là, combat ! Alors, attends. Du coup, je fais quoi ? Je fais ça ? The way is lit. The path is clear. Merde. Je suis merdé, c'est ça? Portraits. Les portraits, c'est pas mieux que ça. Donc là, on va combattre ou pas? Ah, ok, ça va. Ah, d'accord, ça devient un combat normal, en fait. Parce que là, si je dis pas de conneries, du coup, en fait, c'était le machin dans la nuit. C'est ça, hein. Ah, bah ça va. Il faut juste sûrement mettre un peu de lumière, en fait. Je suis sûr qu'il faut même pas mettre... plein, quoi. Ah, nique-toi. The light, the promise of safety. J'ai un peu paniqué. Impressive. Essayer de la tuer rapidement parce que voilà pourquoi, parce qu'elle nous fait chier. C'est bon, elle est morte. Vous arrêtez de vous appeler les uns les autres? C'est qui s'appelle l'un l'autre en fait? Ah. Toi, j'ai peur que tu bouges avant notre Giant Dad en fait. As the fiend falls, a faint hope blossoms.
passion is a rarity in the fevered pitch of battle. Très bien. Là, on aurait pu même faire la purge, comme ça on avance. Ah, nickel, de l'argent. Cool. Donc, ça, c'est les blasons, c'est super commun. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est les contrats et les portraits. Je crois que les portraits, c'est le plus chiant à avoir. On va garder de la torche, parce que je fais pas trop confiance. Bon, bah ça va, j'ai appris un truc. Je sais pas combien d'heures de jeu. Donc quand il y a un combat qui apparaît sur la zone, normalement c'est le machin de la nuit là. Et en théorie, si on remet de la lumière, on risque rien. Après, est-ce qu'il faut avoir full torche ou alors juste un peu? Je sais pas. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Très bien. Ah, les saphirs, c'est 1000. C'est pas mal, ça. Saphirs, c'est 1000. Ça me dit bien, en fait. Donc, par contre, on a encore tellement de trucs. Donc, je pense que tout ça, on va en avoir besoin, en fait. Genre tout ça, là. Yes. Cool. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. On va aller en bas, on va éviter les combats, je crois. Comme ça, on fait les curios. Ouais. Toi. Au cas où si tu te loupes. A handsome reward for a task well performed. Ça non. Ça, on le fera un jour quand je serai... Quand on fera de la chasse pour ça, en fait. Je pense. Je sais qu'il faut mettre une torche, on m'a dit. Mais, ouais, non, là, je suis pas trop... Pas trop envie, en fait. Ah, non, mais attends, il a 95% de résist, quoi. Pourquoi elle ? On m'explique ? Aïe. Ça va, je suis assez confiant avec cette équipe. C'est juste qu'ils mettent un peu de temps à tuer les trucs, je trouve. Mais je pense qu'elle est solide. Alors elle, quand je fais le blocage, le bouclier avec la marque, et quand j'ai fait un peu d'esquive, il y a peut-être ça...
Ça qu'on pourrait enlever, mais je sais pas quoi mettre d'autre. Genre là, il y a reculer, donc esquive et vitesse, machin. Il y a de l'infection peut-être, à la limite. On pourrait mettre de l'infection partout. Ou alors un soin. Je sais pas trop si le soin, c'est pas vraiment utile en fait. Mais c'est vrai que ça, contre les boss, c'est bien, mais après, contre les monstres normaux, c'est pas vraiment utile. Comme ça. Comme ça on met de l'infection. Après le soin, bof. Ouais, ça fait un point de soin. Ça met de la résistance, c'est pas le meilleur des trucs. Ouh la vache, il y a des choses. Alors, bah du coup, le saphir, à moins d'en trouver un autre, enfin voilà quoi. Et donc le prochain combat, il est là. Là, il y a deux curieux, donc on va faire comme ça, donc on se prend un combat. Est-ce qu'on enlèverait des choses ? Les pelles, on en a... Ouais non, les pelles, on peut forcer des fois des objets. Je sais pas si on va en trouver là. Moi, ça m'embête. C'est le saphir, là, il m'embête. J'ai envie de le prendre. Non. C'est bon, c'est fait. On est parti. Joli. Well, what is it? C'est le nom de l'émote dans Dark Souls 1. De se tenir comme ça, là. Genre comme ça. Nickel. On va soigner tout le monde. A momentary abatement. Continue the onslaught. Destroy them all. Pam, 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 pam. J'aurais dû taper en fait. Precision and power. Ça c'est bien pour le quatrième rang en fait, pas le 1, 2, 3. Le 1, 2, 3 je préfère taper à la... Au cucri là. Hein. C'est des... Ouais c'est pas... Ouais c'est limité l'utilité. Hein. A trifling victory. But a victory nonetheless. Voilà, de l'argent. On a encore un combat. Je vais garder la nourriture parce que moi, vous savez que j'ai beaucoup de chance avec la nourriture. Donc, je crois qu'on va prendre donc ça.
la limite, on va en prendre. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est super rare. À la limite, peut-être prendre plus des contrats. Au moins, c'est des stacks complets. Vous voyez ce que je veux dire? Après, le reste, ça peut être tous les curieux, en fait. On est d'accord? Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent devenir fous, hein, ma façon de faire les choses. Mais non, putain, tu vires tes trucs, là, ça sert à rien. Alors, ça c'est ça. Des bustes. Donc, heureux que j'en ai pris plein de ces machins, la vache. Incroyable. Is struck. A blazing star is born. The ground quakes. Ah, cette équipe, elle est vraiment cool, hein. On va farmer de l'argent avec. Pam. Ah, j'aurais dû mettre de l'esquive. A dizzying blow to body and brain. Très bien. Ah, c'est mieux que ce soit lui qui tank. Bon, déjà avec le soin et tout ça. Mais il a beaucoup de protection grâce à ça. Et le stress, on peut le faire baisser avec son habilité à chaque fois. Puis l'esquive, surtout. Parce que lui on lui a enlevé... on lui a enlevé de l'esquive. Ouais. Je sais pas pourquoi je me répète 15 fois, mais on lui a enlevé de l'esquive. Donc c'est un peu un problème. Pour tanker. Parce que même s'il prend pas beaucoup, parce qu'il a de la protection, il y a toujours le risque que ça fasse du crit. Et le crit, ça va augmenter le stress. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. This expedition at least promises success. Ouais, j'avoue. J'ai peut-être fait une connerie là. Alors, Fontaine semble infectée par le chaos environnement. Elle ne semble pas infectée par le chaos environnement. Environnant, putain, je sais pas lire. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Oh, t'es sérieux? Wow, classe. Classe. Ça tue? Ah! Je l'avais dit, hein! Ah, mais encore toi! Alors là, on a deux combats à faire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire les combats ou alors on prend le curio? Je pense que les combats, on peut les faire. On n'est pas buffé par contre. Ah, on n'a plus l'antidote. Ça c'est l'antidote, ouais. Ça c'est l'antidote. In Radiance, may we Oula victory. Est-ce que je vais regretter?
Tiens, le milieu peut saigner. Intéressant. Ah, tu vas me pousser? Ah, ça va. Ouais, elles sont méga rapides. 9. Ok. Elles font pas très mal. Hein. Ah, ils font vraiment pas très mal quand même, ça va. Quelle merde. Zéro ? Ah oui, mais c'est un coup de stun, c'est normal que ça fasse pas beaucoup. Ah, ça laisse pas de cadavre, ok. Ah ! Ah, ça c'est chiant, par contre. Toi, tu continues à le saigner à fond, c'est top. Voilà. Très beau. A victory. Perhaps a turning point. Ça aussi, on peut les faire saigner, hein. Parce qu'on peut baisser leur résistance juste en tapant. Donc on peut facilement les faire baisser. Hein. Les faire saigner en baissant. Quelle... Eh ben voilà, on a fait saigner une gargouille. Yeah, putain, ça valait le coup. This momentum. Push on to the task's end. Ça valait le coup. Et après, c'est encore un combat. Donc on peut... faire ça. Combien la clé? C'est 20. Ça, les pelles, c'est plus cher. Nickel. Je crois que ça nous fait pas mal d'argent. Ça, c'est 250. Ça, c'est 15. À la limite, on peut faire ça. Voilà, on a maximisé. On a maximisé là, non? Ah, on commence bien.
first strike. Well struck. Pas mal. Ça me dérange pas. Ah, non, c'est bon. Ah, ça, ça me fait chier, par contre. C'est bon, elle est morte. Ah. Laissez-moi vous tuer, bordel. Monsieur le chien. Masterfully executed. Maintenant, on se soigne. Très bien, 18. Là, c'était un joli donjon. C'est quoi ça? Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ouais, PV max pour les croisés, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, pourquoi pas. Après, il y a là. Peut-être. Si on a encore de la torche, pourquoi pas en profiter? On va prendre un peu de... J'espère qu'ils vont pas avoir faim, par contre. C'est ça qui me fait peur. Yes, nickel. Ah, j'aurais dû complètement éteindre la torche. Pas grave. Joli, hein ? Joli, joli. Rien qu'en or, on a fait 30k à peu près. Et encore, on n'a pas eu tant de chance que ça. Les antiquités rares, on les a pas très eu, beaucoup eu. On a eu les antiquités mineures, ça oui. L'argent, on en a beaucoup trouvé. Une seule en jute, là.
Mais ça va. Ennui, champ de vertu, robustesse, boulimie. Non, ça, on s'en fout. Il n'y a que ennui qui peut être un problème. Ah non, on change de vertu. Non, il s'en fout, lui. Il a pas de vertu. Non, en fait, tout ça, ça sert à rien. Bah, tout ça, c'est pas vraiment un problème. Donc, nickel. Nickel, nickel. C'est... A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. D'accord. Ah, je suis content. Je suis content. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle heure il est? Ouais, on peut continuer encore. Alors, 60 de stress. Le village est en effervescence, les activités de réduction de stress de la ville sont légèrement moins efficaces. Ok, même ça on connaît. On a 48k. On a un mec niveau 1. Compétence à distance, précision. Toi, t'as de l'évasion et tête brûlée. J'ai envie de dire que... Ouais, c'est fun, mais tu nous coûtes, tu coûtes cher, en fait. Send this one to journey elsewhere. For we have need of sterner stock. Ah, par contre, on a un soin, là. Ouais, mais on a un soin niveau 0. Ça, c'est emmerdant. Il nous faudrait un soin niveau 1. J'ai l'impression qu'on va jamais avoir un soin niveau 1 en fait. On peut peut-être virer un truc. Oh putain, mais t'es klepto en plus toi. La tâche ahead is terrible. And weakness cannot be tolerated. Parce que comme j'ai dit encore une fois, ça fait vraiment une grosse différence d'avoir une personne qui est déjà niveau 1 comparé à une personne qui l'est pas. Pas mal ça. En tout cas... Est-ce que ça nous aide ce qu'on a fait? 18 contrats. Ouais, les contrats, c'est... Ouais, les contrats, on en a besoin. Donc c'était un bon run. Ah merde, c'est champion. Qu'est-ce que c'est que ça? Compétence à distance, précision... Ah! Ouh, c'est vachement bien, ça. Ah mais stress, 25%. Mais c'est vachement bien, ça. C'est moyen. Et ça, c'est... Occultiste. Infusion étourdissement, crit, chance de vertu, stress. Alors, talisman de dégainage. Wow. Ouais, alors ça, c'est vachement bien par contre. Mais c'est vachement bien tous ces trucs, qu'est-ce qui se passe là? Vitesse 2. Voilà, tout ça. Là, ça m'embête parce que ça, je trouve ça vraiment OP. Après, le stress plus 25%, ça me fait un peu peur, honnêtement. On peut aller le chercher. Ça c'est quoi? Protection si torche inférieure à 26. Ah c'est... Ok, c'est un truc de nuit. Pas mal. Ça j'aime bien ça. Le premier tour, vitesse 8 et critique 12. On met ça sur un bandit. Ça peut être pas mal. Parce que les bandits, la plupart du temps, on leur met... je crois qu'on leur mettait quoi? La vitesse en plus, ou je sais pas quoi.
Donc là, on leur mettait critique 12%. C'est quoi ça? Récolte exceptionnelle. Ah. Air frais dans les tunnels. Bon, allez, on va chercher ça parce que ça a l'air d'être vraiment OP. Donc, sac de grains. Champion. Donc ça, c'est la tanière. Tanière, c'est quoi, tanière? Tanière, c'est Warren, c'est ça? Ah, c'est avec les porcs et tout ça, je crois. Avec les cochons, là. Ah oui, je voudrais peut-être mettre ce casse-cou. Ah oui. Ouais, et enlever ça. Ah, fait chier, on va peut-être pas pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Ouais, mais si on n'utilise pas des gens 5, c'est chaud quoi. Je sais pas trop quoi. Alors, fais voir. Non, oui. Genre ça, fais voir si on fait une quête. Donc là, c'est avec les cochons et tout ça. Hein. Fais voir un peu. Deux secondes. Ouais, ouais, c'est ça. Donc on peut. Bon, ils ont de la résistance contre les. Contre l'infection. Mais. Pas énorme non plus. Donc ça devrait aller. Il y a juste ça. Je sais pas si en fait le casse-cou là, est-ce que c'est vraiment utile pour elle? Genre esquive 15, si les PV inférieurs à 25%. Genre il y a quand même un truc sympa de la garder en fait bas HP parce qu'elle a un buff et tout ça. Et après faudrait enlever la mortalité. Mais bon, si je joue pas elle, je vais jouer qui hein? On a lui. Ah, faut enlever ça. Ça, ouais, un moyen. Putain, on peut même jouer elle. Intéressant. Enfin, après 5, on va en chier. Hein. Je suis en train de réfléchir comment faire fonctionner tout ça, là. Je crois que toi, on va juste jouer en tank, en tant que tank. Est-ce qu'on va faire, ça va être du stun, saignement, infection. On va jouer comme ça surtout, je pense. Après, s'il y a du saignement et tout ça... Ah oui, ils vont cracher aussi les autres. Alors à la limite, on peut prendre Gwendoline. Gwendoline. Infirme, soins reçus, moins 20%. Ah, c'est cool. Ça me paraît potable.
Ça me paraît potable. Alors... Alors protection 25. Moins de dégâts du coup. Non, plus de stress, mais ça va. Là on a précision moins 2. Là on a précision critique. Protection, PV max et stress. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dégâts et précision. On a de la vitesse et de l'esquive. Papapapam. Il faudra un peu de protection pour lui. Ou alors plus d'esquive. Alors précision, critique et esquive en moins. Alors, attention, fais ça. Oui, mais pas besoin de faire du critique. Non, il me faut juste un peu de protection, mais je crois que j'ai plus de trucs intéressants en fait là. PV max. Pas de protection. Précision écrite. On a l'anneau, on l'a mis à qui? L'anneau de la lumière, lui. Désolé, je mets 3000 ans à trouver les trucs que je veux. Parce qu'on a, on a le choix sans trop avoir le choix, en fait. On a quoi? On a des bêtes. Ah oui, mais ça, c'est de l'esquive en moins, du coup. Précision écrite. Non. Ça va plus me foutre dans la merde qu'autre chose. Allez, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense que c'est potable. Alors toi, t'es en dernière ligne. On peut faire des dégâts. Malus, on va prendre ça. Soin. Ok, nickel. Toi, t'as ça. Il me manque un truc là. Change de vertu et stress en moins. Stress en moins. Je mets toujours 107 ans. Je mets toujours 107 ans à choisir mes trucs. Quoi. C'est ouf. Hein. Y a que lui qui risque de prendre cher en fait. Parce qu'il a pas. Bon, il a beaucoup d'esquive quoi, mais. Après, il a pas de. De protection quoi.
Ouais, je préfère ça. Protection 5 au moins. Voilà. On va juste regarder si l'équipement est au niveau. Non, d'abord, mon équipe. Mais putain, qu'est-ce que... Très bien. Ok. Donc ça, les sacs de grains. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, j'ai pas regardé les skills de dormir, de repos. Parce que, vu qu'on a un peu d'argent. Stress en 25. Toi t'as ça. Gwendoline t'as l'embuscade nocturne. Le docteur, il a les trucs aussi, c'est bon, nickel, let's go. Collecter les 3 sacs de grains. J'ai jamais fait de mission comme ça. Attends, faire ça. Pas vraiment besoin d'autant de bandages. On a besoin surtout de la mixture là. Non, les antidotes, on n'a même pas besoin apparemment. Antidotes aussi. Voilà, ça nous fait un peu moins d'argent dépensé. Allez, on y va. On a les pelles, on a les clés. Yes, let's go. Ça va être un peu chaud, mais bon. À voir, hein. Si jamais ça se passe mal, on rebrousse chemin, il n'y a pas de problème. Je préfère rebrousser chemin que de crever. Even the fiercest beast will lay down when it is not eaten. Steal their food. On peut aller en plein milieu. Ah, objectif de quête. Ah, ils le mettent, ça tue. Objectif de quête, ça marche. Objectif de quête. T'es sérieux? Genre 1, 2, 3? Genre 100 combats? Putain, ça tue le... Ça tue le repérage quand même, hein. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Oh, on a même pas de combat, quoi. Ah, j'imagine que ça stack pas. Neatly ordered. Lovingly admired. Ce qu'il dit. C'est vrai que des fois on a tendance un peu avec le stress et tout ça, genre de toucher l'inventaire alors que ça sert strictement à rien de déplacer les choses. Ça va, elle est classe. Mais c'est vrai que quand on y pense, ça sert à rien de bouger les choses dans l'inventaire. Strictement à rien. À la limite, faites-le quand l'inventaire est plein, quoi, en fait. Mais sinon... The light, the promise of safety. Nickel. Such a burden of finery risks life and limb.
voir si on peut faire ça. A fortune waiting to be spent. Pas mal ça, non? The match is struck. A blazing star is born. Quoi ça? Ah oui, étourdissement. Ah, j'aime bien la musique ici. J'avais oublié. Une musique un peu plus lente comme ça, j'aime bien. Il y a plus de chances de faire saigner ça. On est à protection 50 avec lui, ça va? Ah, comme ça, toi, t'es mort ou pas? Oh la vache. Pam 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 pam. Is a rarity in the fevered pitch of battle. De toute façon, lui, il est mort. Très bien. Great is the weapon that cuts on its own. Très joli. Ça, c'est un buff. Ça peut être un buff de quoi, ça? Ah, c'est le buff de dégâts, celui-là. Ok, ok, je m'en rappelle. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On campe ici? Et après, on va un peu se balader. Circle in the dark. The battle may yet be won. Ah, très bien. J'aime bien parce qu'on la voit qu'elle a les cheveux longs et tout ça, que c'est une femme, quoi. C'est cool. J'adore la petite posture. Genre les Gwendoline, elle aime bien les serpents. Je me rappelle plus Gwendoline, c'est un mec qui se fait passer pour une femme, je crois. Je sais plus. L'histoire, elle est compliquée de Gwendoline. Enfin, elle est pas trop compliquée, c'est juste que il y a des détails que je me rappelle plus. Qu'est-ce que je fais, moi? Regardons ça. Stress 7 sur tout le monde pour éviter d'avoir l'embuscade.
Quelqu'un a une maladie? Non, hein. Personne. Stress moins 15% sur tout le monde. Papalampam. Discours fanatique. La lumière sacrée est juste, la lumière l'emportera. Il a eu que moins 11 au lieu de 15, parce qu'on avait d'abord mis le buff, je crois. Pas vraiment grand chose à faire. Hein. Eux, j'avoue qu'ils se sont mal trouvés, hein. Ils ont pas vraiment de trucs intéressants. Y a rien à faire. Ah, du stress encore au moins, en moins. Tout se déroule selon notre plan. Il y a ça aussi, c'est vrai qu'il y a les habilités pour les équipes qui sont intéressantes à savoir, à prendre en compte. Packs laden with loot are often low on supplies. Eh ben. C'est compliqué comme comme mission. Alors, hop. Oh. Aïe aïe. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. On va aller faire le combat. On fera au moins des trucs. In Radiance, may we find victory. Ça va, vous avez marqué le bon. Ça me fait plaisir, merci. Precision and power. Aïe. As the light gains purchase. Spirits are lifted, and purpose is made clear. The ground quakes. Très bien. Ah. Chier quand même. Hein. Pourquoi? Mortality clarified in a single strike. Incroyable. Non mais. Oh les mecs. Grievous injury. Palpable fear. Bien sûr. Confusion, nerves, and panic.
Ils vont me mettre une maladie, je sens. Bon, ça va. C'est un ok heal. Non mais sans déconner. Genre c'est plus les autres qui tankent quoi. Alors que lui il a la marque depuis le début du combat, c'est fou. Donc, toi t'es mort. Incroyable, ce combat, incroyable. Oh, sans déconner, quoi. Je vais m'énerver. This is how a life is taken. Zéro. Exposed to a killing blow. Zéro? Deux fois d'affilée? C'est une blague là ou quoi? Continue the onslaught. Destroy them all. Non mais c'est une blague là. Trois fois d'affilée, zéro? Oh ok, d'accord, j'en ai. Ok. J'avais 0% en fait. Mais c'est ouf ce qu'ils font là. J'ai tapé ma souris parce que j'étais énervé. Ah mais c'est chaud l'infection, hein. Ça passe pas vraiment. Ah, ça lui baisse la précision à la limite. C'est bon. Surges as the enemy crumbles. Eh ben, les salles de combat elles sont chaudes. Hein. On va peut-être pas les faire, hein. On va peut-être regarder ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. On sort parce que là, ça me faisait un peu peur. Ah, les aliments sont doublés, c'est ça? Ouais, ça m'a fait un peu peur. Je vois pas pourquoi ce combat, c'était de la merde. Waouh, directement niveau 6, c'est ouf. Ah, ça c'est chiant ça. Ça c'est très chiant aussi. Oula, vous avez des trucs de merde, dites-moi. Vous avez vraiment des trucs de merde. Bah en fait, on avance bien. Ah. Cool. Ok.
Cool. Récolte exceptionnelle. Les fermiers des alentours se sont alliés pour améliorer la sécurité et protéger le bétail et les cultures sur lesquelles les hameaux reposent. Prix modifié, ravitaillement moins 100%. Mais provision moins 100%. Ah! C'est marrant, sympa ça. C'est sympa les événements. You will know the tragic extent of my failings. Ah! On a un jester, on a un bouffon niveau 1. C'est bien ça. Jester niveau 1, ça je prends. Those without the stomach for this place must move on. Très bien, donc on a eu un truc super rare. Celui-là, là, ça c'est pas mal. Après, 13-25, c'est chaud hein, quand même, 25%. Mais bon, ça fait infection et étourdissement, c'est ce qui fait hein, le truc. Puis la précision en plus, ça aide. Ouais, c'est très très bien. On a beaucoup de choses en fait pour en un seul objet. Parce que nous, on met quoi maintenant? On met la vitesse et PV masse et max esquive. Ouais, c'est vrai que nous on l'a joué en vitesse et esquive. À la limite, on pourrait mettre ça et l'autre truc. Ah oui! Genre, ils avaient dans les 80% ou 100% de résistance à l'infection. Bah, du coup, avec ça, ça aurait pu être vraiment très utile. Parce que 20%, c'est pas rien. Ouais, ça aurait pu marcher. Bon, bon, bon. On est à quel... On est au 37e, à la 37e semaine. Depuis que j'ai vu, on était à la 31, un truc comme ça. Depuis que j'ai vu ça, on a fait pas mal de boss. Et là, on peut encore prendre des 6 ou pas? Ah, yes, on peut prendre des 6. Yes, let's go. Ah, donc ils sont au max, en fait. Ok, légende. Donc maintenant, on peut aller là, par exemple. La dernière fois, j'ai failli ne pas revenir. Ah, c'est pas faux. Donc, on peut aller faire du donjon ténébreux, en fait, bientôt. Sympa. Oh! Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, dégâts 60... Ouh, la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Saut du martyr. Alors, dégâts 60% à l'agonie. Critique 14% à l'agonie, résistance au coup fatal plus 12%, PV max 15%. Ouh. Vous pensez que ça peut être bien pour un flagellant? Genre par exemple, on garde casse-cou. Genre 15 d'esquive. Inférieur à 25%. Et quand ils sont... Mais après, en fait, ça repose tout sur la chance. C'est ouf, quoi. Genre là, ça fait quoi? C'est 10%. Donc en fait, c'est 73% normalement. Donc on arrive à 85%. Je crois qu'il y a d'autres objets, non? Qui augmentent. Je crois qu'on en a un ou alors on en a vu. Hein. Je crois pas qu'on puisse, on peut avoir 100%, qu'on puisse avoir 100% de résistance au coup fatal. Après, quand il est en dessous des 40% de vie, genre elle a esquive en moins, je crois, mais plus de dégâts, tout ça, et plus de vitesse, un truc comme ça. Donc, on met casse-cou, donc elle aurait vite esquive plus 15. Donc, en fait, on augmente son esquive. J'ai du mal à prononcer ce mot, apparemment. On augmente son esquive au maximum, du coup, ça augmenterait son... Enfin, non, après... Non, c'est débile. Si jamais ça, ils se prennent un dot, ils meurent, je crois.
automatiquement. Je sais pas. Je pense que le jouer. En plus, en fait, dégâts 60, critique 14. Ils font pas de dégâts, hein, les machins. Il y a que ça avec ça qui font des dégâts. Hein. Vraiment. Après, le reste, c'est du très peu. Donc, je crois pas que ça sert à quelque chose. Après, il y a peut-être une autre classe. Par contre, quand tu dis attends, provision, fais voir. Ah, vous me faites chier. Je veux voir les provisions. Là. Pour sûr. Oui, me fais pas chier. Ah, c'est 0, 0, vraiment. Et ça? Ça aussi, c'est 0. Oh, ça tue. Ah ouais, c'est vraiment tout est à 0, en fait. Ah, ça, c'est vachement bien, ça. Ça nous fait de la... Ça nous fait moins cher. Bon. Allez. Alors ça, la courante, ça, c'est pas grave. On peut le virer... En campant, il n'y a pas un problème. Par contre, tu vois, tu as mortalité, il faut qu'on enlève et il faut qu'on verrouille casse-cou aussi. Tant qu'on y est. Neuf mille. Ah ben putain. Non, attends. Les compétences. 32. 32. Faut voir si on peut arriver à 32. Donc ça, on n'en a pas besoin, par exemple. Genre là, ça ferait 15. Donc ça ferait 37. Ah bah oui, on peut. Attends, c'est pas mieux avec les bustes. Non, ça fait 28. Non, c'est mieux avec... c'est plus cher, en fait, les portraits. Là, on a 3 avec 2. Là, on a 1 avec 6, ouais. Ouais, c'est les plus chers, en fait, les portraits. Faut que je me concentre sur ça, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de choisir ça, en fait. C'est ça le problème. 31. Hop, 32. In the end, every plan relies upon a strong arm and tempered steel. Donc maintenant, il reste plus que la formation 3. Ouais, je me concentre sur ça en fait, c'est vachement important. Donc formation 3, donc ça c'est les portraits et beaucoup de blasons. Ça. Voilà, donc maintenant on peut monter. C'est pas là du tout. Et ça fait. On passe de. Ouais, des dégâts, du critique de base et de la vitesse. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Non, la vitesse reste la même pour la plupart des gens. Ouais. Ok, c'est très bien. Nickel. Bien, ça j'en ai plus. J'aurais bien voulu deux places, mais bon, maintenant c'est comme ça. Alors, humeur malsaine, ça aussi on pourra camper. Ah, toi aussi t'as de la merde, c'est ouf. Bon, maintenant il reste plus que le stress en fait. J'ai pas trop le choix. Bah en fait le stress ça va. Hein. Non en fait ça va. Hein. Pas de problème. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là, j'ai pas trop le temps. Parce que j'ai peur qu'on prenne un truc qui fait trop. Ah résistance au coup fatal plus 10%. Bah voilà, on a trouvé le truc. Donc on peut arriver à 95%.
Ouais. J'ai envie de l'acheter. Rarities and curios. Sold at a profit, of course. On en a vraiment pas de ça? Non. J'ai bien envie de l'acheter, moi. Résident, résistance au coup fatal, 10%. Mais ça fait de l'esquive. C'est pas mal. Voilà, c'est fait. De toute façon, on paye pas la nourriture la prochaine fois. Faut qu'on fasse ça. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir des hauts niveaux, en fait. Donc, je suis content. Alors, on pourrait... Est-ce qu'on a des gens niveau 1-2? Il nous faudrait à la limite un soin niveau 1. Et moi, je dis, je veux bien faire ça. Mais je voudrais bien juste un soin niveau 1. Après, on se débrouille. Donc pour l'instant, on va rester en vétéran et champion. Qu'est-ce qu'on a là? Soin reçu, c'est de la merde. Chance d'infliger un saignement 20%. Dégâts 15%. Si PV inférieur à 40%, c'est pas mal. Convention médicale, je sais pas ce que c'est. Sûrement, peut-être les soins gratuits. Donc on a vu qu'il y avait une protection et PV max là. Ça peut être pas mal. Je crois qu'on en a qu'un seul. Ou on en a récupéré un deuxième. Non, on avait récupéré ça. Ouais, on en a qu'un seul d'anneau comme ça. Donc je dis pas non pour un deuxième. Après on a ça, qui peut être intéressant. Le sceau du martyr. En plus, ce qui est marrant, c'est que le saut du martyr, du coup, il fait PV max 15% tout le temps. Et résistance au coup fatal 12% tout le temps, en fait. On n'a pas besoin d'être à l'agonie. Enfin, l'agonie, oui, le coup fatal, c'est pour l'agonie, de toute façon. Mais il fera toujours PV max, en fait, 15%. C'est pas mal. Ah, lépreux. Des résistances et des PV en moins. Oh, super. Alors, miroir aveuglant, vitesse 4, ce qu'on est sûr de sang, chance d'infliger un étourdissement, le plus important, pas intéressant. Ben, je sais pas trop ce qu'on va faire, honnêtement. Les bandits mêlés, ah oui, non, ça, on s'en fout. Pom-pom-pom-pom. Bon, la prochaine fois, je crois que c'est ça, champion. Par contre, faut voir un peu qui on prend. Toi, il faudrait t'enlever la maladie. Mais du coup, il faudrait te prendre, en fait. Mais si on te prend, on peut pas... On peut pas monter les autres. Syphilis. Un truc qu'on pourrait faire, c'est ça. Le mur. Je l'ai vu en vidéo, ça m'intéresse de tester, voir si on peut y arriver. Mais bon, il faudrait des gens au niveau parce que... Sinon, on va crever. Sinon, on va crever. Lui, il a bien bossé. Bon, il a des trucs de merde. Il a vraiment de la merde. Donc, ce serait bien qu'il ait des trucs mieux. Par contre, il y a elle. Du coup, on pourrait potentiellement faire un run argent au niveau.
Il faudrait un soin. Niveau 3. Non, mais non. Niveau 5. Infirme. Ah oui, il y a infirme à enlever. Ouais, mais niveau 3, il va brûler là-bas. On va pas l'envoyer en fait. Non, c'est débile ce que je fais. Faudrait être un niveau 4 au moins. C'est du champion, c'est débile. On peut faire un truc comme ça, peut-être. Là, il y a quoi dans la tanière? La tanière, c'est ce qu'on vient de faire, Warren. Les runes, c'est en haut. Ouais, tanière. Warren, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, les ports et tout ça. Donc ça, on peut enlever ça quand on jouera. Après, on a ça, nettoyage. Elle qui mettra directement la protection sur lui. Enfin, après, j'ai envie de dire, ça lui sert. Parce que moi, je voudrais faire peut-être le châtiment. Mais du coup, la riposte, en fait, il va avoir la marque directement, donc je vois pas à quoi ça servirait de plus. Ah, quoique, on peut faire ça. Qui d'autre? Ou alors Pharam. À la limite, peut-être Pharam, plus intéressant. Pharam est peut-être plus intéressant pour la prochaine fois. Genre bandit, Pharam, Gwendoline et l'antiquaire. Comme ça, on se refait encore un run argent. Nickel, c'est une moyenne, sanctuaire bestial. Toi, t'as des maladies, on pourra les virer si jamais on veut. Pour la pause, on a empêche l'embuscade avec surpris. Plus. Après les dégâts. Très bien. Toi tu peux nous faire le stress. Ça fait 4, 8. Ah oh la vache. Ça ferait 13. C'est quoi le maximum? C'est 12. Ok, bon, discours fanatique peut-être pas. Mais Ah il faut qu'on le débloque. Attends, c'est où la maladie? Ah mais non, mais c'est pas lui qui fait la maladie, c'est le truc de la peste. On mettra dégâts en plus sur lui, il fera très mal. Uniquement sur soi. Vigile fanatique, j'avais jamais fait attention. Et ben on fera ça. On fera 1, 4, non,
3 avec ça, ça fera 3. Là, ça fera 2 fois 4. Et voilà. C'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Points, ouais, c'est vrai que c'est un peu de la merde ce truc. On va voir le soin, qu'est-ce qu'il fait le soin? Il passe à 1, 2, après peut-être qu'il passe à 3. On verra, parce que c'est vrai que de soigner en fait, si on fait un critique, ça baisse le stress, donc c'est vrai que c'est pas nul en fait, rien que pour ça. Pas mal. Bon, on a notre équipe. Pour la prochaine fois. Je pense que ça va être potable. Le Hunter fait très mal. Donc ouais, je pense que ça va être très potable. On a fait ça plus ou moins avec deux tanks, hein, je veux pas dire. Donc là, ça va. Et ah oui, Gwendoline, il pourra marquer... L'attraction, on en a pas besoin. Par contre, la marque, si... Voilà, très bien. Nickel, ce sera ça pour la prochaine fois. Ce sera notre équipe pour la prochaine fois. On passera comme ça d'autres personnes au niveau 6 et 5 aussi. Et ouais, on fera un peu d'argent en même temps, au passage. Donc c'est cool. À la prochaine, portez-vous bien. Je suis content, ça avance très bien en fait. Vu qu'on s'est un peu concentré sur les boss et tout, et sur mes persos. Donc en fait, on avance assez vite maintenant. Je pense que le jeu, on pouvait l'avancer beaucoup plus vite. À condition qu'on joue bien à chaque fois, évidemment. C'est vrai que j'ai un peu traîné au début. Faire des trucs verts, là, on en a fait énormément. Mais bon, c'était pour prendre des objets. Mais le donjon ténébreux, on peut même y aller, en fait. On peut même déjà y aller. La puissance de la créature accroît terriblement. Récupérez les reliques protectrices dans le camp abandonné. Méfiez-vous de l'horreur qui rôde. Ça, on le fera quand on aura tous nos héros favoris prêts. Pour le stress, on est bon. Et ça, c'est... Ça, c'est occupé. Après, c'est combien pour enlever ça? Ah, c'est 1300 quand même. Ouais, non, ça fait quand même pas mal d'argent. Ouais. Ouais, parce qu'ils sont haut niveau, en fait. Ça fait pas mal d'argent. Donc, à la limite, on peut juste l'enlever tout simplement avec... avec un campement. Parce que là, c'est trop cher. Allez, à la prochaine. Ciao !